Quel est le plus efficace entre le squat avec barre haltère ou le squat aux élastiques? On va voir ça dans cette vidéo. Bonjour, c'est Ken. Alors, je m'appelle Ken, je suis coach sportif spécialisé en musculation fonctionnelle. Donc, mon objectif, c'est travailler de façon athlétique, c'est-à-dire il y a côté esthétique, mais je mets beaucoup l'accent sur le côté santé et côté performance. L'idée, c'est d'être le plus performant possible dans le quotidien ou dans d'autres sports. Là, aujourd'hui, on va aborder, ça va être une vidéo très intéressante puisque voilà, la réponse ne va pas être aussi claire que ça, pas aussi évidente que ça. Quel est le plus efficace entre les haltères et les élastiques? Alors, quand je dis haltère, pour le squat, on va parler directement de la barre. La grosse force de la barre pour le squat, on place sa barre, on installe ses charges, on peut se placer directement en dessous, on a le temps de se placer, décrocher la barre et on peut faire son squat. On a une charge définie dès le départ. Avec l'élastique, déjà, je vous montre les différentes versions. Il y a le front squat, on va mettre la barre devant, donc soit en enroulant la barre ici, les mains autour des épaules, pour faire le front squat qui va permettre de travailler les cuisses dans son ensemble. Plus particulièrement les quadriceps, mais on va dire les cuisses dans son ensemble. Le front squat avec les doigts qui vont rentrer à l'intérieur plutôt à la façon haltérophilie, on enlève bien les coudes. Donc pareil, c'est les cuisses dans son ensemble. C'est un peu plus accent sur le quadriceps parce qu'on va avoir le corps un peu plus droit, mais on va rester dans les cuisses. Le back squat avec élastique, la barre derrière le dos, derrière la nuque, ici, comme la barre avec haltère. Et mon préféré, pour moi en tout cas, je vous partage mon préféré, ma version préférée, avec les poignets ici. D'accord? Alors, comme je vous disais, avec le gros avantage ici de la barre, c'est qu'on peut mettre tout de suite ses poids, on peut charger, si vous êtes fort en squat, on peut vraiment charger, s'installer tranquillement pour se positionner. Avec le back squat avec les élastiques, quand on commence à mettre dur, c'est très compliqué à s'installer. D'accord? C'est très compliqué à s'installer. On va avoir tendance même à enrouler le dos parce qu'il faut glisser en dessous. Ou alors on va se passer en fente, une jambe, puis après se placer ici, la barre qui va être déséquilibrée. C'est très très compliqué. Donc d'office, je ne vous dirais pas de faire de back squat avec élastique en lourd, avec une grosse résistance. Front squat est plus approprié, on peut facilement le placer en dessous. Après, il y a l'inconvénient, l'inconfort des barres ici. Alors, moi je le fais, de temps en temps, j'aime bien ici, je suis habitué ici, on peut le faire ici. D'accord? Là, ça va être plutôt vos préférences. Beaucoup n'aiment pas trop la barre qui vient d'appuyer ici, surtout quand on met très dur. Ça appuie, c'est pas très agréable. J'ai pris l'habitude depuis longtemps les poignets ici, ça me dérange pas de mettre pas mal de tension pour pouvoir faire. La différence qu'il y a entre les deux, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, avec la barre, avec les haltères, si je mets 100 kg au squat, j'ai 100 kg au début quand je vais décrocher la barre, ici ça va, et quand je vais être en bas, les 100 kg en bas, c'est ici que ça va être dur. C'est ici où il y a un danger peut-être de tricher. C'est la position d'en bas qui va être dure pour remonter. D'accord? C'est en bas que c'est dur. Quand on a engagé le parcours, le mouvement à mi-parcours, ici, c'est plus facile que d'en bas jusqu'à la moitié du parcours. Avec les élastiques, si je mets l'équivalent des 100 kg, donc là, en l'occurrence, dans la vidéo, j'ai mis 95 kg d'élastique, tension d'élastique, 95, je pars d'en bas. J'ai une petite tension, puis plus je vais monter, plus c'est fort. D'accord? C'est 95 kg avec élastique dans les poignets ici. Ça ne représente pas 95 kg à la barre. D'accord? Ça va être moins. Parce que la tension des élastiques, c'est à peu près à 3-4 fois sa longueur où on a la vraie tension qui est affichée. Donc là, quand je suis en haut du parcours, je vais avoir deux fois sa longueur. Donc en haut du parcours, avec mes 95 kg élastiques, j'ai peut-être 70. En bas du parcours, j'ai peut-être 50. D'accord? Parce que l'élastique va augmenter quand je vais monter. Donc le gros avantage avec élastique, c'est qu'en bas du mouvement, ça va respecter ma force, mes articulations. Parce que en bas du mouvement, c'est là où l'articulation est la plus faible, et ni niveau des hanches, ni niveau des genoux, c'est là que c'est la plus faible, c'est là qu'il y a plus de risque de se blesser, de mal faire le mouvement. Quand on commence à engager le mouvement, là, ça devient de plus en plus facile. Donc là, avec l'élastique, en bas du mouvement, c'est là où je suis le plus faible, d'accord? Tout le monde, hein, en bas du mouvement, c'est toujours là où on est le plus faible. Quand on monte là, on est de plus en plus fort, mais l'élastique continue à augmenter. Ça devient de plus en plus dur. Quand je veux me lever, ça va devenir de plus en plus dur. L'articulation est de plus en plus forte, le muscle est de plus en plus fort, et l'élastique va être de plus en plus dur. Donc c'est un gros avantage auprès des élastiques ici. Le gros inconvénient, c'est là où je vous disais, la réponse n'est pas aussi évidente que ça, contrairement à pour les pecs que je vous avais dit dans une précédente vidéo sur le développé couché. Là, c'est pas aussi évident que ça.
Ici, le squat, beaucoup, quand on s'entraîne, on vient vite fort. Et si on met 100 kg au squat, avoir l'équivalent des 100 kg avec élastique, va peut-être falloir mettre 140, 150, 160 kg d'élastique. Et là, la contrainte, c'est la multiplication d'élastique sous les pieds. Là, c'est vraiment pas confortable. Il y a un gros danger qu'un élastique s'échappe, on n'est pas bien installé. Donc là, c'est une grosse contrainte. Deuxièmement, il est important de ne pas comparer la charge des 100 kg avec haltère et 100 kg avec élastique. Parce que comme je vous disais, si vous voulez avoir un équivalent de 100 kg avec élastique, cet équivalent, c'est soit en position basse, soit en position haute. Parce que position basse, si vous avez un équivalent de 100 kg, en bas, bah, en haut, vous allez peut-être avoir 130, 140 kg. D'accord? Donc c'est un équivalent. Mais on va plutôt parler en douleur, en difficulté. Si vous mettez 140 kg d'élastique, vous allez peut-être avoir à peu près l'équivalent de 90 kg à la barre. D'accord? Ça veut dire qu'en bas, vous aurez peut-être 80 kg, puis en haut, peut-être 110. OK? Donc, ce qui est important, c'est que si vous êtes fort, si vous mettez 120, 130 kg avec la barre, bah, vous allez avoir du mal à vous cramer avec l'élastique, parce qu'il va falloir multiplier les élastiques. Donc, si vous voulez travailler juste en force, si vous êtes fort au squat, vous avez besoin de travailler en squat, là, clairement, le squat avec la barre va être au-dessus du squat avec élastique. Le squat élastique, niveau force, fait pas le poids. Vous n'allez pas multiplier les élastiques, vous n'allez pas en mettre 20 élastiques sous les pieds, c'est pas possible. Donc, il ne faut pas comparer quel est l'exercice le mieux, parce que si on fait juste squat barre, squat élastique, en force, squat barre sera plus efficace. OK? Si je veux travailler efficacement avec les élastiques, il faut changer la méthode. Il ne faut pas réfléchir comme avec la fonte. Comme je vous, j'arrête pas de vous le dire depuis le début, la différence avec les élastiques, la charge est progressive, la résistance est différente, la sensation est différente, les exercices doivent être différents. Donc, quand on veut se cramer avec les élastiques, il faut faire plus d'exercices de pré-fatigue. C'est comme ça que je fais. Si je veux travailler, je ne suis pas très fort en squat, pourtant je ne suis pas fort en squat, mais moi avec les élastiques, je peux vite mettre 140 kg aux élastiques. Et avec la barre au squat, je ne suis pas sûr de faire 100 kg. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait le squat barre avec haltère, enfin en lourd, ça fait très longtemps, donc je ne sais pas du tout combien je lève. Mais je ne suis pas fort en squat. Avec l'élastique, je peux mettre 140. Je me sens bien. Mais si je veux me cramer, ce que je vais faire, je vais d'abord faire des exercices de fente. Par exemple, je vais faire des fentes avec élastique. Je vais amener une pré-fatigue. Je vais fatiguer musculairement mon muscle pour pouvoir être bien après avec mon squat avec élastique. Moi, je vais préférer les élastiques car j'aime bien cette sécurité qu'il y a sur cette résistance progressive. Cette sécurité qu'il y a, si je ne suis pas bien avec les élastiques, ben, je peux lâcher ici, c'est plus facile que la barre. Je peux m'accroupir sans que la barre s'écrase sur moi, parce qu'en bas du mouvement, il n'y a plus de tension, la barre ne va pas s'écraser sur moi. Et cette résistance progressive me rassure, d'accord? Et plus le côté rassuré. Donc je préfère les élastiques pour ça, je trouve que c'est plus facile plutôt que la barre où on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Après, je ne dis pas que le squat barre, c'est pas bien, c'est pas du tout mon discours. Squat barre, c'est très bien, c'est un exercice qui est réputé pour être très efficace, très bon pour le dos, tout ça. J'en fais, hein, de temps en temps, je continue à en faire, mais je ne fais jamais en lourd. Je le fais avec haltère, je fais plutôt des mouvements d'épaulé, thruster, je vais faire d'autres choses. Mais ouais, moi, je préfère le squat avec élastique pour cette résistance progressive où je me sens mieux en fait. Okay? Mais ce que je veux vous dire, c'est que si dans votre programme, vous avez squat, 10 répétitions de squat, bah, faut pas réfléchir comme ça avec élastique. Si vous cramez pareil, bah, il va falloir faire un exercice de pré-fatigue, la chaise, des squats sautés, des fentes avec élastique, peu importe, un truc qui va bien vous cramer les cuisses pour ensuite enchaîner avec les squats avec élastique. D'ailleurs, si vous avez vu plusieurs de mes vidéos où je fais des séances jambes, vous allez voir que je fais beaucoup d'exercices de pré-fatigue. Je réfléchis de façon totalement différente qu'avec haltère. Un programme avec haltère, on peut facilement mettre des charges pour dire 6 reps, 8 reps, 10 reps, 12 répétitions. Avec l'élastique, on va réfléchir un peu différemment parce que la résistance est progressive. Donc, on peut souvent aller un petit peu plus loin. Okay? On récupère un peu plus vite aussi. L'impact articulaire n'est pas la même, donc on récupère mieux. Tout est différent. Donc, les haltères ne sont pas plus efficaces avec les élastiques, c'est pas vrai, j'entends trop souvent ça. C'est juste que la méthode d'entraînement doit être différente. On ne peut pas réfléchir pareil. Vous voulez l'efficacité avec élastique, vous pouvez l'avoir à condition d'avoir la bonne méthode. Après, si vous cherchez juste du bodybuilding ou du powerlifting, travailler en force, clairement, les élastiques, ça peut être un plus pour d'autres exercices, mais c'est clairement pas votre accessoire. D'accord? Si vous êtes dans le powerlifting, non, les élastiques, peut-être en plus, hein, je ne suis pas un expert de powerlifting, mais ils ont besoin de lever lourd, clairement pas. Le bodybuilding, vous avez peut-être besoin de charges bien précises et tout ça, peut-être pas. Mais si vous cherchez de la musculation athlétique, musculation fonctionnelle,
les élastiques sont tout à fait appropriés. Je ne dis pas que les haltères ne sont pas bien, parce que moi je fais aussi les haltères, j'utilise aussi les haltères pour avoir des résistances différentes. Je trouve ça très bien de travailler avec des accessoires différents pour être habitué le corps avec des résistances différentes, des charges différentes, des difficultés différentes. Donc je mets beaucoup ça, je tourne beaucoup avec les haltères, les élastiques, les sangles de suspension, je tourne beaucoup avec ça. D'accord, j'aime beaucoup, je mets beaucoup de variété. Avec les haltères, je ne fais pas beaucoup d'exercices de base muscu, je vais plutôt faire des exercices d'explosivité qu'on peut trouver en haltérophilie. C'est plutôt le genre de truc pour être le plus athlétique possible. Voilà, donc j'espère que ça va vous aider à voir plus clair sur les élastiques ou les haltères. J'en profite aussi pour vous dire, si jamais vous voulez un programme complet avec élastique, haltère, sangle suspension, variez vos entraînements, je vous invite à cliquer ici et aller voir le programme, les trois programmes en fait. C'est un pack avec trois programmes, un programme juste avec élastique, un programme juste avec élastique et haltère, et un programme avec haltère, avec élastique et sangle suspension. Donc il y a tout ce qu'il faut, hein. Vous allez ici et au moins vous serez guidé, vous aurez un programme sûr pour aller atteindre votre objectif. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.